La peur des coups, la pêche et soie, les boulingrins. Voilà trois courtes pièces. Trois bouts d'existence à pleurer de médiocrité. Les couples de Courteline ont oublié l'amour. Courteline disait « J'ai compris qu'il fallait enfin oser faire des pièces sans amour. » Ces trois pièces pourraient nous accabler si Courteline était un auteur du Nord. Mais l'humoriste qu'il fut, de façon presque maladive, obsessionnelle, va s'acharner à extraire l'élément comique de chaque individu. Réaliste, observateur minutieux des êtres et des choses, car comme tous les grands comiques, Courteline épiait. Il va nous faire rire, mais cruellement, sans prêcher, sans se mettre en colère, sans s'indigner. C'est elle qui a raison. Voyons ! Ne faites pas attention, il est fou. Raison, vous dites qu'elle a raison, parce que vous parlez sans savoir, comme une... Il faut, je crois, prendre au sérieux ce théâtre qui n'a l'air de rien, qui ne prouve rien, qui ne dénonce rien, avec ces personnages de la comédie humaine, enfin de la farce humaine, pourrait-on dire. C'est un théâtre qui est profond, un théâtre qui naît de la vérité observée et non de l'esprit d'un auteur de boulevard comme Feydeau. La vérité observée, c'est la tragédie. Et de la tragédie, Courteline a choisi d'en rire.